Conséquence City, c'est effectivement notre nouveau projet. C'est une plateforme de bande dessinée où on peut lire et acheter des bandes dessinées. Conséquence City, c'est une cité des libraires, c'est la cité des arts séquentiels. C'est une cité des arts séquentiels, c'est-à-dire qu'en fait, on y trouvera du manga, de la bande dessinée, des comics, des romans graphiques, et puis aussi, assez rapidement, les nouvelles formes de bande dessinée, que sont les turbomédia, Infinite Comics pour la terminologie américaine, et d'autres formes d'arts séquentiels. Arts séquentiels, c'est une définition qu'on aime beaucoup, c'est celle qui a été donnée par Will Eisner, qui a un grand auteur américain qui couvre assez bien les différents genres de cette forme d'expression artistique. Et c'est aussi une cité de libraires, et c'est là où il y a quelque chose d'un peu original et de nouveau. C'est que, contrairement à beaucoup de systèmes numériques qu'on appelle intégrés souvent, qui ont un bouton boutique, un bouton librairie, un bouton store même très souvent, où on y trouve une seule boutique, en général, dirigé, aménagé par le constructeur ou le fabricant, on va s'y prendre d'une façon totalement inédite et totalement nouvelle. On va permettre, en fait, quand on va accéder à ce fameux bouton store, donc chez nous c'est librairie avec un S, d'accéder non pas à une librairie mais à des librairies. La valeur ajoutée effectivement qu'on veut apporter entre le lecteur et le libraire est de justement restaurer le dialogue entre ces deux acteurs du livre, celui qui évidemment les achète, et celui qui est le passeur, qui les recommande. C'est justement cette activité de passer, de recommander, qui nous semble cruellement manquer aujourd'hui. Que vous compreniez un petit peu ce qu'on a voulu faire. Je pense qu'une des meilleures façons, c'est d'imaginer le parcours d'un lecteur. Alors le parcours classique chez nous du lecteur, c'est je lance l'application, puis j'ai envie d'acheter un livre, ou j'ai envie de consulter des livres, ou j'ai même peut-être envie simplement de me perdre un peu dans une librairie. Et ben, je vais cliquer sur le bouton librairie avec un S. Je vais me retrouver du coup dans une cité des libraires, donc je vais pouvoir regarder un peu quelles sont les différentes librairies qui, moi en tant que lecteur, sont à ma disposition. Il y en a une qui m'attire plus que l'autre parce qu'elle est par exemple spécialiste de quelque chose, elle le met en avant. Je clique dessus, ou je touche sur les tablettes, je rentre dans la librairie, et là du coup je peux naviguer dans les différentes pages. Donc on retrouve là une expérience utilisateur finalement assez classique, hein. On n'a pas cherché pour le moment à bousculer cet aspect là donc le navigateur navigue de page en page dans les différentes sélections du libraire. Chaque libraire ayant sa sensibilité et sa personnalité, si par exemple il se rend compte que les livres mis en avant ne lui ressemblent pas trop, il peut quitter cette librairie, puis il peut aller sur une autre. Parmi nos libraires partenaires, on peut déjà vous en citer deux qui sont d'accord pour qu'on parle d'eux, qui sont par exemple la librairie Expérience à Lyon, ou la librairie Momifolie, qui a beaucoup de librairies en France, cette librairie, à Grenoble, à Annecy, à Lyon, dans d'autres villes. Et typiquement, par exemple, prenez l'exemple de la librairie Expérience, c'est une librairie que moi je connais depuis longtemps, puisque j'étais lyonnais. C'est une librairie qui consacre un tiers de sa librairie aux éditeurs indépendants. C'est pas un choix anodin. Et typiquement, on peut imaginer que si je vais dans l'espace numérique de la librairie Expérience, je vais retrouver peut-être un choix, peut-être un petit peu plus orienté vers un certain type de catalogue qu'un autre, par exemple. Et ben, c'est typiquement ça qu'on a voulu restaurer. Donc le lecteur peut aller dans une librairie qui lui ressemble. Le deuxième élément d'importance, c'est que si ça lui convient toujours pas, si c'est même pas vraiment ce qu'il cherche, ou s'il a déjà lu quelque chose mais que il sait même pas trop comment décrire sa recherche, bah il y a rien de mieux que le dialogue dans ce cas-là. En fait, il y a pas photo, surtout quand il y a des hésitations. En fait, des A, des E, des je sais pas trop, je pensais à une couverture, elle était bleue, enfin des choses très imprécises qu'un moteur de recherche, que des algorithmes, que ne peuvent vraiment pas répondre à ce genre de choses-là. Et ben dans ce cas-là, une fois qu'il est dans la librairie de son choix, ou n'importe laquelle des librairies, il peut appuyer sur le bouton « Je veux dialoguer avec mon libraire », il peut envoyer une question. Le libraire, grosso modo, s'engage à répondre dans une certaine
longue durée. Le libraire est un libraire, donc il a une activité de libraire à côté. On n'est pas dans une hotline, le but c'est pas la réponse tac au tac d'avoir quelqu'un en moins de 5 secondes, hein. C'est pas le principe. Le principe c'est d'avoir une recommandation de qualité. Donc le libraire s'engage à répondre dans une certaine temporalité. Vous posez vos questions, vous envoyez vos petits messages, le libraire peut vous répondre et il a une petite fonction supplémentaire, il a une petite fonction un peu innovante dans laquelle en fait il peut, à travers ce système de dialogue intégré à la librairie, pousser des livres. C'est-à-dire, il peut vraiment faire l'équivalent de « Tiens, je te mets ça dans les mains, je te mets ce livre, regarde-le, tiens, lis ce livre. » Et puis, il peut commenter « Lis ce livre, et puis tu devrais déverrouiller les quelques pages vers le milieu du livre, parce que c'est vraiment ça que tu cherches. » C'est ça qu'on voulait restituer. Et donc, c'est cette expérience qui doit être, et qu'on veut, et qui est notre projet, qui est le cœur de notre projet, qu'on veut être vraiment... franchir des étapes, aller plus loin par rapport à ce qui existe dans le paysage concurrentiel.